David battu et Goliath V, hein? En 2015-2016, Leicester City, champion, première division football pays Angleterre. La première ligue. The Washington Post, un célèbre journal, estimait que c'est le plus gros bouleversement sportif qui a été fait dans l'humanité. Ils ont qualifié exploit ça comme une histoire de David et de Goliath. Mais pour qui ça? Antenne Rideau. En 2015, championnat anglais a lancé Leicester City, c'est l'équipe ville Leicester dans la première division. Un petit club provincial sans star. Dans l'équipe en total, c'est à peu près même prix avec Kevin De Bruyne. Joueur star, une équipe opposant, est signé pour 75 millions de dollars. Dans Riyad Mahrez, meilleur joueur équipe Leicester, pour l'époque, il a été acheté 750 000 dollars seulement. D'ailleurs, monsieur a déclaré, il a fait crier dans le pays, il n'a pas même compte non club ça. Il était juste pensé que c'était une équipe rugbyman. Expériot a prédit que normalement, l'équipe s'est définie dans trois dernières places. C'est ça que fait. Côte pour Leicester City, tu as remporté la première ligue là, tu es estimé à 5 000. Soit autant de chance pour ta pissoir que tu pas un mot la kawa qui est maman l'autre bord de l'eau. Parce que oui, il y a un problème pour acheter un tennis 500 gouttes. Lui-même n'a pas le tennis par la vaut 1 500 000. 1 500 000! On ne comprend pas. 1 500 000! Pas de gens qui ont espoir sur Leicester. Ça qui était logique, cause l'équipe ça a été fini 14e dans le classement ligue là, année avant. Il a acheté un coach que tout le monde jugeait qui finit pour aider Kembe l'équipe là dans la première division. Mais à la surprise générale, 38 matchs après, Leicester finit premier dans la ligue là devant toute grosse équipe qui construit à coup de gros millions. D'ailleurs, ils ont perdu seulement 3 matchs sur 38. Vous saisi. C'est pour ça que le journal a déclaré que son histoire David contre Goliath. Généralement, ils ont utilisé l'expression David versus Goliath là, comme une allégorie. C'est surtout leur gain victoire improbable de soyons pipiti façon plus grand façon obstacle tout qui à la base plus fort que moun qui pourrait le chercher affronter là c'est leur gain désavantage à l'avance mais c'est pour qui ça y aurait meilleur histoire ça comme ça c'est côté histoire ça sorti elle sorti dans la Bible. La Bible, bon, nous tout connaissons déjà, c'est un livre sacré antenne qui est très populaire, surtout dans la partie occidentale. En antenne, nous allons raconter mon histoire, nous connaissons déjà, nous connaissons, bref. Antenne frappe danger. Philistin est en guerre avec Israélite, peuple bon Dieu qui n'a Bible. Et vous avez un champion qui est le Goliath, costaud, grand, qui compte bataille. Et les Philistins ont lancé un défi. N'importe Israélien qui arrive à battre Goliath, vous n'avez pas accepté pour venir esclave Israélien. Sinon, c'est l'inverse. Ça qui fait peuple Israël là, peu. Et tout soldat, vous avez un carcoyo. Et c'est ça qui fait les Philistins content. Ça qui pas duré jusqu'à ce que un petit qui pas même dans l'armée, un gardien mouton, un musicien, qui va décider de lever le défi. Et petit ça, yo pral bal équipement, casse, épée pour le combat de géant ça. Il est pas capable cause tout équipement ça yo. T'es trop lourd pour lui. C'est ça que fait petit ça. David pral présenter le sous champ de bataille là tant qu'un civil. Ensuite, il pral ramasser quelques roches. Et puis il pral flanquer Goliath un seul coup de flon. Oui. Un seul coup de flon. Goliath tombé, il mourit. C'est comme ça David bat Goliath. Histoire David là tellement ancrée dans nous, ça veut dire que dans tête nous David était petit David, nous pas remarqué changement personnage là, nous pas remarqué évolution personnage là. Généralement c'est première impression qui fait définir qui est celui. Samuel, c'est un prophète qui t'a cherché un nouveau roi pour Israël. Samuel descend la caille papa David et le rivel dit
présenter mon petit garçon yo. Puis papa David présenter petit garçon yo, sauf David parce que pour lui David pas de étoffe yon roi. Vous comprenez? Et le Samuel fin garder toute petite que papa David présenté, il dit non non non, c'est pour quoi ça? Est-ce qu'on pas gon dernier grain? Et c'est là ça va dire ah oui oui mon petit petit là qui a gardé mouton pour moi. Donc David à la base c'est un mec qui humble, qui a gardé mouton, donc qui pas un guerrier du tout. Qui donc Samuel, le Samuel ouais David, les remet personnage là et puis les vider l'huile sous tête li à l'époque qui était symbolique et surtout dans la Bible ou avenir roi. Ça qui vient faire que David pour déménager tout de suite après, il va l'habiter kay roi actuel là. C'est quoi que c'est roi? Il va déménager kay roi actuel là pour venir musicien. Donc David était un fanfare palais. Il y a histoire non un ça non qui douce, qui musicien, le roi fâché, c'est lui qui a joué musique pour calmer roi. Donc c'est un homme qui calme, parce que si monde fâché, c'est vous-même qui a calmé monde. Donc à la base, c'est un monde qui soit sage, soit calme. Donc c'est ça. Mais toute bagarre après a changé, c'est à partir du combat David versus Goliath là. David levé des fiers, il bat Goliath. Ça a tout changé parce que peuple là pour commencer ouais dans David yon wa moun yo pral commencer mettre David dans rara le rara sorti yo di Saül qui était actuel roi il a tué moun li tué moun par 1000 David tué moun par 10000 ça qui t'ai provoqué colère kay roi et roi pral commencer chasser David et roi pral commencer gen jalousie contre David et David pral replier et premier acte symbolique David pour poser pendant lui a replier par contre ça fait nous va remarquer ça c'est dans 1 Samuel 21 verset 9 David pour récupérer épée Goliath là et monsieur pour déclarer que épée ça pas gain pareil par contre vous comprenez ça monsieur là non bon moi ou pas gain pareil ou dit en forme donc David qui récupère épée Goliath là c'est symbole yon changement de personnage là et nous voilà ouais parce que David pour construire une armée rebelle autour de lui avec 600 hommes et 600 garçons ça yo pour le symbole de résistance contre roi. Royaume n'a menacé ou après lancer la poursuite de David avec 3000 hommes de David. Donc ça montre au degré importance non place David commence à prendre dans royaume là et David pour éviter une guerre politique t'est siégé quasiment dans camp ennemi en parlant là de Philistins et avec un pile respect Philistins ont été accueillis parce que David te getan yon grand. Il est un guerrier dans trempe David. On côté yon grand, on côté li mette pied la terre. C'est ça qui est arrivé parce que David t'a pral massacrer, craser, maspiner trois régions qui étaient alentour de côté il était basé à. Et dans 1 Samuel 27 verset 9, il raconte nous que David touye garçon ni femme. Côté le passe dans trois régions et tout et tout le monde et il prend toute bête tout comme butin et dans verset 11 qui suit là David te raconte pour qui ça massacre là les élis massacre tout le monde c'est parce que il pas voulu il y a un témoin qui a dit mais ça David t'a fait derrière mais qui j'aime David te massacre monde donc il trouver tout le monde il pas quitter trace c'est ça les tornade par son côté. Pourtant, la guerre entre Israël et les pays philistins est continuée. Et dans une guerre qui pourrait suivre, monsieur Saül, il pourrait blesser grièvement. Et il y a un soldat qui a passé, il y a un soldat qui dit, moi j'ai un blessé là, je ne peux pas vivre. Et je ne peux pas tomber en bas pat philistin pour être plus maltraité. S'il vous plaît, mettez fin à la vie.
ça relé euthanasie. Bon, jusqu'à présent gen bagay ça. Euthanasie a, c'est là où vle yon la mort soit plus douce parce qu'on on va le souffrir ou éviter souffrir pour ces souffrances ou tuer. Donc on mande yon mort plus douce. Quand rive gen de moun ki konn pa vle kite yon mauvais souvenir de yo, yo mande l'hôpital là, donc bon dans pays ça autorisé pour yo mette fin à la vie doucement. Donc c'est ça Saül te mande a. Mais le soldat qui mettait fin dans la souffrance Saül là, elle dit David ça, David nervé, il poignardé soldat. Il dit non, ça va pas que doit tuer quoi. Donc nous très loin de David qui t'a gardé mouton, David qui était un blanc, nous très loin. Donc après la mort roi, donc il est normal que petit roi veuille prendre pouvoir. Petit roi c'est Ish-bosheth, pas comme ça en tête. Donc Ish-bosheth naturellement venait comme nouveau roi. Oublions bagaille, prophète là te dit David c'est le pouvoir. Donc David vient rentrer en guerre avec Ish-bosheth et 360 soldats. Ish-bosheth pour perdre la vie. Donc c'est une guerre qui était durée en pile jusqu'à ce que David vienne roi. Après Ish-bosheth mourir et David pour régner pendant 40 ans sur Israël et pour aller en pile massacre qui fait dans quand l'ennemi parce que David c'était tourné un grand guerrier et David était tellement venu grand il était venu un monde que ou pas qu'à refuser rien et effectivement on le David a promené sur Lucas et Paléa en tant que roi. David voyage en bas, il voit une belle demoiselle qui est les Bathsheba, qui a mûr, qui a bien compris, j'ai entendu des Arabes qui ont dit en l'air, en bas. Donc David dit oh faut mieux faire ça, c'est ça trop belle. Donc mais c'est l'élément des nègres sur côté lui, il dit bon pour qui est-ce ça, il dit fait ça c'est Bathsheba et Marie de les Uri, Uri c'est un soldat qui est dans l'armée d'Israël là, monsieur dans la guerre actuellement. Parce que la mère était toujours en guerre. Tu invites fille à la Kaili, c'est où aller, fille à Baka dit non, il fait bagaille avec elle. Puis enceinte. Non, non. Ma chanson tombe pour un vaisseau. Moi, je ne parle pas très bientôt. Donc, Bathsheba enceinte, il dit David ça. Mais David, en tant qu'un gros stratège, il fait rire Uri, Marie Bathsheba. Il dit, oh, fais monsieur Vini. On a dit, fais monsieur Vini. David dit comme ça, yo, on s'est passé, mais nous faut poser, bon petit repos, il fait la caillou, boire, manger, faire bagarre à madame. Uri descend, il chita devant palais, elle dormit, devant palais, elle n'est pas rentrée la caillou. Et le David, au courant, il demande, pour qui ça? Il descend côté Uri, il demande, pour qui ça, on parle la caillou. Uri dit, non, chef. Frère d'amour, yo dans la guerre. Y a bay vie yo pour payer, pour qu'ils en fassent moi-même, pour me descendre la caméra pour plaisir avec madame moi. C'est pas absurde. David qui ouais que type là son type bien. Il va convaincre lui, ça le fait. Il bal lettre condamnation. Qu'ils en li bal une lettre pour remettre chef la mère. Il y aller avec lettre là, lui remettre chef la mère. Qui sa lettre là dit? Dans lettre là, dit chef la mère, yo, mais ça fait, on place Uri yon côté pour ka mouri, yon côté le pa ka pa mouri. Et nèk sa ou se stratège, yo place Uri yon côté que le pa ka pa mouri, effectivement, Uri mouri, et puis David prend Bathsheba. Madame Négal, tout est Négal. Donc, David, c'était ça. Dans l'allégorie David versus Goliath, là, Goliath pas mourir. Goliath, c'était l'homme à abattre. C'était un homme puissant. C'était un homme qui a bâillé des filles. Dans fin histoire là, David vin nom à battre. Nom qui puissant. Nom battre c'est un défi.
Moi ma croisé m'a dit le David fin bat Goliath Golio échangé. C'est pas pour sans raison David t'est récupéré pe Goliath là. Généralement dans analogie ça yo protagoniste yo changer fort. Mais ça pour Kembe découvert par Kaboui. David a toujours fini par vin Goliath s'il bien utilisé pour fort bien sûr. Ça pour Kembe encore. Tout génie gagne un siècle. Goliath a toujours fini par tomber. Ça pour pas oublier bien ak mal pas la vérité. C'est selon mec trempé plume nan génération qui suivent là pour juger Goliath. Yo. Tout au cours de l'histoire, nous témoins de David qui vient Goliath des outsiders. Que nous t'es capable ouais que t'as pas loin. Que nous t'es capable sous-estimer. Yo. Mais ou bat moun qui t'es favori. Yo. Même dans l'histoire pays nous en Haïti, nous souvent ouais de David qui vient Goliath. De moun nous te fait confiance des fois qui méchant envers propre peuple. I can almost see it. Okay. That dream I'm dreaming. Choix pour nous faire. Choix entre nouvelle façon de penser. Nouveau souffle. Nouvelle équipe. Ou bien encore un système qui gagne, qui établit déjà depuis 30 ans et qui représentait une certaine continuité dans la pensée, dans les façons de faire. Donc, je ne crois pas que là, un gros problème pour nous prendre bonne décision. L'homme qualifié de justesse au second tour se révèle être un adversaire de taille. Contrairement à Maniga, deux fois sénatrice, Martelly n'a pas d'expérience politique, mais il dispose d'une énergie et d'un charme sans faille qui attire les foules. L'ancien président Michel Martelly, notamment, est sous le coup de ces sanctions, accusé d'entretenir des liens avec les groupes criminels. Est-ce que ça peut suffire ? Malgré le palais, peuple a pas occupé, peuple a campé sous barricade. D'ailleurs, là, le palais, c'est là que peuple a augmenté barricade. Il n'y a pas d'autorité morale. Ils n'ont plus de crédibilité. Ils sont rejetés par le peuple. Nous, 5 à 0. Premier vol nous marqué. Notre richesse a été et sera volée par les États-Unis. Dans l'esprit d'être ensemble ça, nous tous qui comptons, ouais, président Clinton, est-ce que nous t'avons mis en d'elle? Ça yo qui ont tel ce montrer moi là yo même yo méchant ma propre peuple yo mais qui est-ce qui doit que Goliath doit être méchant falta para quedarse solo frente al imperio hacía falta unidad hacía falta valor hacía falta patriotismo habría falta espíritu revolucionario un pueblo débil, un pueblo blandengue un pueblo cobarde se rinde y vuelve a la esclavitud do you ever feel already very on the screen, one but day, no one seems to hear with me. This nation will do rise up, live out the true meaning of its creed. There's a spark. We hold these truths to be self-evident that all men are created in me. I have a creed. And let it shine. My four little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Baby, I have a dream today. Martin Luther King wanted to both die. Let's go change the country together. Si jeune haïtien qui a regardé moi capable de venir Goliath. Bref. Moi ouais, commentaire nous et moi au courant que nous baïti plein parce que m'pa poster souvent et m'pense m'va le faire plus effort pour ça. C'est ça que nous va aller de me choisir prochain sujet yo et dans commentaire yo sujet moun plus sollicité à c'est les cap
next vidéo. Entre Baki et le polymorphisme et Jakoud versus Tivice, nous avons choisi deux sujets. Ça, qui sujet nous voulons traiter pour prochaine vidéo. Et moi, c'est Marco Azed encore une fois.